Eh bien, salut à tous, c'est VoraxFR, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tuto. Dans cette vidéo tuto, je vais vous montrer comment faire votre logo de chaîne YouTube facilement et rapidement grâce à une application. Allez, let's go! Donc, pour ce tuto, je me suis muni de mon portable. Donc, en premier, vous allez sur Apple Store, voilà, tout simplement pour télécharger l'appli. Vous allez marquer Insta Logo comme moi à l'écran. Écrivez vraiment comme moi, hein, parce que sinon ça ne marche pas, j'ai testé. Dès que c'est fait, vous allez installer l'application. Voilà, donc elle ressemble à ça. Voilà, tout simplement. Donc là, on va aller sur l'application pour pouvoir vous présenter le tuto. Donc voilà, Insta Logo. Donc vous allez faire nouveau projet, vous mettez un intitulé, donc moi c'est un exemple, hein, donc je mets un peu n'importe quoi. Ensuite, vous allez appuyer sur le sorte de petit truc avec les étoiles. Donc en premier, nous avons les flèches, voilà, donc il y a des logos de flèches, hein, basiques. Ensuite, des formes de base, voilà, des carrés, des ronds, hein, des triangles. Les business, voilà. Ensuite, il y a plein de trucs payants, ça ne nous intéresse pas. Il y a du bonus, donc le bonus vous le débloquez tout simplement avec l'application. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les autres. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a plein de trucs. Donc pour ce test, je vais prendre ce logo. Donc on peut mettre des dégradés de couleurs, voilà, vraiment sympathique. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut aussi changer de couleur le logo. Donc voilà, on peut mettre en rouge, en vert, en jaune. Nous, on va le laisser en bleu, hein, c'est plus stylé, je trouve. Voilà, donc on peut le cadrer, voilà, tout simplement. Ensuite, on va chercher un autre logo. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Ouais, non, pas ça. Non, non. Alors, allez, on va prendre celui-ci. Tac. Vous prenez l'autre logo, vous le mettez par-dessus. Voilà, tout simplement. On va le mettre en rouge. Ça, c'est vraiment stylé, je trouve. Ensuite, on va lui mettre de l'ombre en noir. Voilà, vous pouvez mettre un peu toutes les couleurs. Nous, on va mettre en rouge. Voilà. Tac. On peut aussi marquer des inscriptions, voilà, donc moi je vais marquer Vorox en jaune pour mieux que ça se voie. Bah, Vorox c'est faire. Donc bien sûr c'est un exemple, hein. C'est pas un logo que j'ai gardé bien sûr. Puis vous allez appuyer sur le bouton partager, là vous allez appuyer sur exporter avec filigrane. Voilà, vous prenez votre album partage, voilà, ça. Et tout simplement, vous marquez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre un peu n'importe quoi. Pour info, TheGamer64, c'était mon ancien nom, pseudo de chaîne, voilà, pour les anciens. Dès que c'est fait, vous allez dans votre album, album photo. Et là, comme vous pouvez l'apercevoir, on a tout simplement le logo. Après, c'est très simple, hein, vous avez juste à le mettre directement sur votre chaîne. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous un maximum de likes pour cette vidéo. Allez, on va dire 10 likes pour la vidéo. Je pense que c'est largement faisable. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Je suis très très actif. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, ciao. Back from the dead.